Demain, Lily Rose a 3 évaluations à l'école, c'est énorme, mais elle est décidée à ne pas les faire. Et pour ne pas les faire, elle a voulu nous faire croire qu'elle avait des béquilles et qu'elle s'était cassé la cheville. Ouais, ça va très très loin. Mais bon, on a une surprise pour elle. Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Ah là, j'en ai marre! J'ai plein de devoirs pour demain! J'ai une évaluation d'anglais, une évaluation de français, une évaluation de maths. Bon, faut que personne m'entende. Eh oh, vous êtes là? Eh oh! Bon, y'a personne. Cool. Alors, comment je pourrais faire pour pas aller à l'école demain? J'ai pas envie d'avoir plein d'évaluations. En plus, j'ai rien révisé de la semaine. Comment je pourrais faire alors? Oh, tiens, mes béquilles. Oh, super idée. Bon, je pense que je vais leur faire croire que je me suis foulé la cheville. Bonne idée. Et. Ah, je vais casser mon cartable parce que sinon, ils vont me faire faire des devoirs et tout. Je vais le cacher. Bon, allez hop, je vais le cacher là. De toute façon, ils vérifient jamais sous mon lit. Oh, des bandages! Allez, je vais m'enrouler la cheville là pour faire croire qu'il y a un bandage. Alors hop, moi je suis pas du tout une pro pour faire ça, hein. Je suis vraiment nulle. Ouais, d'accord. Je vais regarder le bulletin de Lily Rose sur internet, mais je pense que c'est pas très bon là. À chaque fois qu'elle revient, c'est avec une mauvaise note en ce moment. C'est catastrophique. Alors, punaise, mathématiques 6, français 10, sport 3, moyenne générale 8 sur 20. Mais comment c'est possible d'être aussi mauvais? Elle était bonne avant. Et puis à chaque fois elle invente des excuses pour pas aller aux interros. Je vais rester ici et quand elle reviendra de l'école, on va avoir une petite explication. Ah génial, je vais devenir infirmière. Bon allez, je vais découper ça tranquillement. Hop hop hop, voilà. Bon bah voilà, j'ai fait le bandage comme une pro. Et Stéphane va croire que c'est l'infirmière de l'école qui l'a fait. Bon allez, pendant ce temps là, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, j'ai une idée, je vais regarder des vidéos. Je pense que je l'ai mis là. Oui, parfait, je m'en rappelle pour une fois. Bon allez, c'est parti, oh, ça va être trop bien. De toute façon, pas besoin de faire mes devoirs. J'ai oublié mon cartable. Allez, c'est parti. C'était trop drôle cette vidéo. J'aimerais trop en refaire une. Lily Rose, ça fait un quart d'heure que je t'appelle. Là, t'es pas en bas en train de faire tes devoirs? Salut Esteban. Il s'est passé un truc... douloureux à l'école aujourd'hui. Oh là là, t'as encore fait des cabrioles là, t'as encore fait le grand écart dans la cour ou je sais pas quoi. Bon, reste là, je vais appeler Peppa Pink. Non, j'ai pas fait de bêtises, c'est un accident, je te raconterai après. Oh là là, Esteban a l'air d'être un peu en colère, je pense qu'il est au courant pour les évaluations de demain. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas d'idée. Oh, tiens, je pourrais faire semblant de dormir. Bon, alors si c'est ça, je vais cacher mon téléphone à cet endroit-là. Hop, comme d'habitude. Et ma béquille, je vais la mettre ici. Au moins, si je dors, il n'osera pas me déranger. Et il croira vraiment que j'ai mal. Bon, oh, en plus, ça fait du bien de dormir après une journée entière de travail. Ah. Oh, Lily Rose, j'ai regardé sur ton agenda, sur internet. Et effectivement, demain, t'as 3 évaluations. Et oh, c'est pas le moment de dormir là, il faut réviser. Lily Rose. Oh non, elle s'est endormie. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Et puis, elle a vraiment l'air d'avoir mal. Je la crois un peu quand même. Le bandage, il est vraiment bien fait. Bon, ça doit être un truc d'infirmière ça. Alors, cette béquille, elle me dit quelque chose. J'ai l'impression que je l'ai déjà vue dans une vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on peut rien faire. Et puis de toute façon... Qu'est-ce que c'est ça? Des bandages? Oh mince. Je pense qu'il sait que je suis pas malade. Oh non, il est au courant pour les évaluations. Bon allez, je vais quand même faire semblant de dormir. Des bandages médicaux? Mais qu'est-ce que ça fait chez nous? Et puis Lily Rose, elle est même. On dirait qu'elle s'est fait le bandage toute seule avec des bandages qu'elle a trouvés chez nous. Demain, il y a 3 évaluations. Et d'un coup, elle se casse la cheville. Et la maîtresse m'a même pas téléphoné. C'est moi qui vais la piéger à son tour. Lily Rose, je vais prévenir Peppa Pink. Ça va très mal aller pour elle, si c'est ça. Oups. Oh là 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 là. Oh non, il a tout compris, je suis grillée. Comment je vais pouvoir faire? Bon déjà, je vais cacher l'épreuve. Les bandages, hop, ici. Maintenant, je vais me mettre à réviser. Comme ça, il va dire, oh c'est bien, elle est en train de réviser, elle a vraiment mal. Bon allez, je vais prendre ça. Je sais même pas c'est quoi comme cahier, mais bon, un cahier de science. On n'a pas d'évaluation dessus demain, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, demain, je vais pas à l'école si je continue comme ça. Allez, viens, regarde, regarde. Ah, elle est en train de réviser. Regarde, elle fait semblant d'avoir des béquilles, elle fait semblant d'avoir mal à la cheville. Regarde, là, il y a tous les bandages qu'elle a utilisés. Bah, ils sont... Punaise.
Ah, je suis sûr que tu les as cachés. T'as tout entendu ce que j'ai dit. Elle fait semblant. C'est un faux bandage. Non, c'est un vrai. Elle veut jouer à ça. Eh ben vas-y, je te laisse tout seul. Tu vas vérifier tout ça. Ouais. Oh, petit. Laisse-moi, allez, pousse. Hors de ma vue. Non, je fais pas semblant. Regardez, je travaille vraiment. Je lis mes leçons et tout pour avoir de bonnes notes. Ah, trop cool, j'adore les devoirs. Oh, Lily Rose, qu'est-ce que tu fais? Oui, je révise pour demain. Bah, qu'est-ce que t'as fait? Si je vais à l'école. C'est quoi ce bandage? Je me suis fait une entorse. Oh là là, t'as encore fait des cabrioles à l'école, t'es tombée? Oui, je suis tombée en récréation, je jouais au loup et boum, je suis tombée. Oh là 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 là. Attends, et quand tu fais ça alors? Oui, j'ai très mal, j'ai très mal. Et si tu fais ça comme ça? Oui, ah oui, j'ai très mal. Mon pied, c'est pas une molette. Ouais, t'as pas vraiment mal. Mais si, j'ai mal. Arrête, j'ai mal. Bon, allez, bouge, j'ai plus besoin de toi, je suis en train de réviser. Et d'ailleurs, demain, je pense pas que je vais aller à l'école parce que j'ai trop mal. C'est pas possible, je vais pas pouvoir marcher. Non, si, tu veux, tu iras à l'école. Mais non, mais imagine, je retombe demain à l'école. Je ne te crois pas. J'en ai marre. Personne me croit ici. Même Esteban, il me croit pas. Le plus stupide de la famille ne me croit pas. Alors qui pourrait me croire alors? Lily Rose, j'ai appelé ta maîtresse parce que tu sais très bien que j'ai son numéro maintenant. Oui. Et je lui ai demandé s'il s'était passé des choses dans la cour de récréation aujourd'hui. Et bah y a rien à signaler. Bah c'est normal, elle savait pas, elle était pas là aujourd'hui. Ah, elle savait pas. T'es allée à l'infirmerie, mais elle ne savait pas. Bah non, parce que c'était pendant la récréation, du coup elle était dans la classe. Et la directrice non plus, c'est pas parce que j'ai. Bah non, elle sait pas, elle était pas aussi, là. J'ai appelé aussi la directrice. Bon, je sais que t'as fait semblant, Lily Rose, ça se voit. Regarde-moi ce bandage là. Regarde. Attends, on va l'enlever. On va l'enlever. Donne-moi ça. Allez. Allez, regarde, moi aussi j'ai un truc à la main. Ah, ça fait du bien. Ah bah. Ça fait pas du tout du bien. Bon, ce qu'on va faire, demain t'as 3 évaluations. T'as 8 de moyenne en ce moment sur 20. Pas du tout, j'ai 13. Et je prends ton téléphone, tes divertissements. Tu savais qu'il était là? C'est la même cachette depuis des années, Lily Rose. Ciao. Oh non, ils m'ont eu. Maintenant, j'ai plus qu'à réviser. J'ai vraiment pas envie. Ça veut dire que demain, j'aurai vraiment une évaluation. Je le savais. Attention les amis, information. Là on se retrouve 3 jours plus tard. T'as eu les résultats de tes évaluations. Oui. Où tu ne voulais pas aller. Là elle joue à Adoptimi, c'est n'importe quoi. Alors tu vas leur dire les notes, alors t'avais fait quoi? C'était quoi les évaluations? En maths, histoire et français. Vas-y. Non, c'était science au lieu d'histoire. Non, il n'y avait pas de science, je me souviens. Bah du coup en maths j'ai eu 16. Ouais. En histoire, j'ai eu 15. Et en français? En français, 14. Bon, voilà, finalement, elle a révisé. C'est bien. Oui. Elle va avoir un bon bulletin. Enfin, je l'espère. Bon, voilà, les amis, cliquez sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine. Bye. Bye. Salut.